Bien, salut tout le monde, c'est Rat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Kermendo et Tutur sur Splatoon. Et on est sur l'Encropo. Salut Kermendo et salut Tutur. Salut. Hello. Voilà, donc les gens, on utilise une méthode d'enregistrement un peu différente de d'habitude. Donc il se peut qu'il y ait quelques petits trucs, mais normalement vous ne le remarquerez pas et vous serez très heureux comme ça. Est-ce que du coup... Bah c'est même mieux, non? C'est une meilleure qualité. C'est un peu comme l'homosexualité latente de vos enfants. Voilà. Oh là là. Alors je sais pas si on a des bugs du coup. Vous utilisez quoi comme arme? Ah, tu utilises la... Ah, c'était toi. Moi j'utilise l'aérogun. J'utilise l'aérogun premier, non, Rat? Pareil, aérogun. Putain, ouais. Non. Ah non, j'ai peur. Et alors oui, donc la question du jour. Je sais plus qui l'a posée, je vous laisse. La question du jour, par un abonné très 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 gentil, évidemment, vu qu'il m'aide à faire mon travail. Et quel nouveau mode vous avez? Oh là là, j'ai été déconnecté. T'as été déconnecté du jeu? J'ai été déconnecté, oui. Bah, pas grave, tu feras. Je sais pas si tu feras une ellipse, mais du coup, les gens, si vous voulez voir le reste de la vidéo. Je reviens, oui. Voilà, vous pouvez passer sur ma vue, mais restez sur celle de Kermendo, parce que ça va revenir de toute façon si vous préférez. Ouais, je reviens de toute façon. Mais oui, mais par contre, j'ai pas trop entendu la question du jour, vous avez le temps de la poser ou je vous ai coupé? J'ai pas. Je crois, oui, mais je me souviens plus en fait si tu nous as coupé ou pas. Non, tu peux la reposer, t'inquiète pas, donc c'était. Alors, quel nouveau mode voudriez vous voir dans Splatoon? Oui. Ouais, plutôt des modes multi, hein, genre qu'est-ce que vous imagineriez comme mode qu'il pourrait y avoir dans Splatoon, voilà. Donc ça va nous permettre en fait de parler d'un truc de Splatoon, bah, peut-être en fait au moment où on tourne cette vidéo, on n'en sait rien. Mais peut-être qu'au moment où la vidéo sort, en fait, Nintendo aura fait un Splatoon direct, ou je sais pas, pour en parler. Non? Peut-être, bah c'est dans leurs habitudes peut-être. De toute façon de faire des directs. Ouais, ça dépend. Ouais. Bah alors je laisse le retour vous expliquer si vous êtes bien au courant de. Bah moi je suis pas au courant du leak, mais j'aimerais bien dire une suggestion que j'aimerais bien voir. Pour moi, il serait intéressant de voir une espèce de capture de drapeau. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, ça permettrait d'utiliser la dynamique de mouvement des calamars, des inklings, etc., des mouvements de déplacement. Ça pourrait être très intéressant. Et deuxième chose, un mode où on fait que tuer en fait. Et du coup, ça permettrait vraiment de tester le vrai skill des joueurs, rien qu'au kill, et pas forcément à l'aventure. Ouais, mais si... Nintendo, je pense qu'ils ont pas très envie de faire un mode où tu tues les gens. Parce... Oui. Tu peux parler, hein, vas-y, t'inquiète pas. Si allô ça, si, on, qu'est-ce si, on, passe si on entend des chiens oui, derrière, c'est normal. Là maintenant on entend un chat, c'est mieux. Ah oui d'ailleurs, reparlez-moi des imitations de Tutur. Mais donc en gros, on disait quoi? Un mode où tu tues les autres, clairement Nintendo ils ont pas envie. Nintendo ils ont pas envie du tout, c'est pas leur genre de faire un mode comme ça. Hein. Mais pour le leak, et ben il y a... Il n'y a justement pas de mode de capture de drapeau, mais j'avoue que ce serait cool, peut-être qu'ils en font dans le futur, mais ils ont montré un monde... Enfin si, c'est un truc je crois où tu captures... Non, c'est un tower défense en fait, où tu protèges des tours en fait, un peu comme dans LoL en fait. T'as des tours et tu protèges les tours des attaques ennemies, et donc ça peut être sympa. Et aussi un autre truc, c'est genre le Rainmaker je crois, et en gros c'est un espèce de petit machin qui va apparaître au milieu du terrain, et tu vas le chercher en fait, et tu dois le ramener dans ta base, sauf que la personne qui l'a dans les mains, elle peut plus tirer en fait, et elle va à 2 à l'heure. Donc tu dois la protéger, donc tu te retrouves en fait à 3 contre 4 dans ce cas-là. Ah ouais, ça doit être pas mal. Vu que t'as le truc dans ta main. Et donc, tu parles du bazou truc Du Rainmaker, mais le bazou truc, je sais pas trop ce que c'est en fait. Le bazou carte. Ça consiste à aller chercher une carte au milieu du terrain. Bah c'est et ça en fait, dans l'équipe adverse. C'est le nom... Ah, c'est dans l'équipe adverse que tu dois ramener, c'est pas dans la tienne? Oui. Enfin, c'était comme ça dans le truc du leak, mais en tout cas, okay, moi, non, mais... que c'était là-dedans. Ok. Enfin, je l'appelle Rainmaker, parce qu'en anglais, ça s'appelle Rainmaker, mais oui, peut-être que c'est capture de carte, je sais pas, en français, je... Non, c'est... j'en sais rien. C'est, comment je dis déjà? D'accord. Ouais, bazooka carte. Et je voulais dire aussi, traducteur, par rapport à tes imitations, tu vois, je sais pas si t'as vu, dans tous les commentaires des vidéos, tout le monde dit que tu utilises des logiciels genre Clownfish. Ah non, les gens. J'ai déjà téléchargé Clownfish, un Pikachu et tout. C'est uniquement pour faire la voix de GLaDOS. J'utilise ça pour faire la voix de GLaDOS. Dark Vador, je crois, mais alors Pikachu et tout, c'est totalement authentique. Oui, les gens. Et mince, j'ai encore été déconnecté. Ah mince. J'ai encore été déconnecté, donc je pense que moi je vais pas sortir l'épisode sur ma chaîne et que je vais juste laisser l'épisode sortir sur la chaîne de Rat, donc je continue à jouer, hein, vous en faites pas. Je rejoins. C'est à la place, il a foutu des liens. Mais donc là.
Allez voir, c'est de la bonne. Tu mets vidéo Splatoon et tu mets un lien qui redirigeant sur ma chaîne, sur l'épisode, tu sais. Ou alors oui, tu mets une petite vidéo avec une musique triste qui dit Splatoon n'acceptant pas ma connexion. C'est ça. J'ai décidé de laisser Rat prendre le relais. En gros. Non mais les gens quand même, essayez de comprendre, essayez de comprendre que Tutur, quand on lui dit imite quelque chose, c'est dans l'instantané. Et il l'a déjà montré plein de fois en live. Qu'il arrivait très bien à faire une imitation et à changer de seconde en seconde. Bon, après, les capacités après, de sa gorge diminuent, mais... Après, il y en a d'autres que je pense bien faire, mais en fait, c'est de la merde. Et d'autres que je pense pas bien faire, mais qu'en fait, c'est bien. Donc, du coup, je sais jamais ce qui est bien fait ou pas. Mmh. Mais sinon, non, les gens, c'est... Non, moi, j'ai prends pas au prochain match. Putain, tout le monde droit. Mais oui, c'est vraiment sa voix, il s'est bien modifié. Enfin, il y a des gens qui le font bien, hein, genre la voix de Pikachu, c'est une vraie, hein, c'est personne qui utilise un logiciel. Ouais. Hein. Sauf que c'est une femme. Oui, ouais. C'est vrai. Tu tures, En plus, d'être en face à l'en perdant, tu es désormais une femme. Je me demande si je vais quand même réussir, avant la fin de la vidéo, à faire une partie entière. Ah, c'est la question du jour. Ce serait fantastique. C'est la question du jour. Est-ce que Gerardo va tenir une partie entière? Vous avez une heure. C'est la nouvelle question du jour. Est-ce que Kirbendo peut faire un épisode entier? C'est ça. Et ben c'est ça, ouais. Bon, les gens, quand même, on a pensé à vous. On s'est dit, bon, dédicace à tous ceux qui ont passé leur bac. Ouais, c'est vrai aussi. Des gens ont passé leur bac, c'est vrai. Au moment où on vous parle, les gens ont peut-être eu les résultats du bac. Non, c'est la dernière épreuve. Vous parle, c'est la dernière épreuve. Ouais, au moment où on parle. Oui. On est quel jour? Je sais pas, moi j'ai des potes jeudi. Mercredi? Mercredi. Bah, c'est quoi? Mais il y en a certains qui terminent vendredi. Hein. Ça dépend de. Non, parce que je sais pas, moi, dans mon lycée, pro pour le coup. Oui. Ils ont passé toutes les épreuves du bac mercredi, jeudi et vendredi dernier. Parce qu'ils en ont moins, mais en S, il y a physique, je crois, aujourd'hui. Ah, punaise. Ah ouais, bah non, nous on a juste maths, français histoire. Je crois qu'il y a bientôt le brevet pour les autres. Ouais, le brevet, c'est après le bac. Bah, je crois que c'est cette semaine. Ouais, tout le monde finit avant moi, c'est génial. Bah, bon courage à ceux qui Pourquoi passent. Pourquoi? Parce que tu es peut-être en seconde, non? Ouais, mais je suis en seconde pro. Ah oui. Je finis l'année scolaire, absolument entière. Ah ouais. J'ai des profs assez chiants pour mettre des CCF la dernière semaine. C'est quoi les CCF? Bah, en fait, c'est l'équivalent d'une épreuve de bac, sauf que t'en as une par année, et donc du coup, ça a moins d'importance, mais si tu les as pas tous, t'as pas ton bac. Ok, donc en gros, vous êtes obligé de venir jusqu'à la fin. Contrairement aux autres secondes, les gens viennent C'est la nouvelle map. Mille marines. La nouvelle map qui date de longtemps. Il y a 2 mois. Bon, on l'avait pas. Oh, ah, j'ai l'impression que c'est fluide. Ah, c'est sorti samedi, quoi. Ouais, mais... Non, par contre, J'avais envie de lui dire. Oui. Par contre, bah, ils prennent souvent des maps du mode solo pour faire des maps. Ouais. Bah, je me suis dit pourquoi ils ont pas encore pris la map du tuto. Parce qu'elle est relativement symétrique pour l'instant. À mon avis, ils doivent la map du tuto. De toute façon, je crois qu'elle est. La map du elle tuto, est aussi, c'est skatepark. Dans le CD du jeu, tu vois, mais ils l'ont pas encore sorti. La map du tuto, c'est pas le skatepark. Elle y ressemble étrangement. Non, c'est pas le skatepark. Non, le skatepark est très différent. Ouais. C'est vrai qu'il y a une partie skatepark dans la map du tuto, mais elle est plus profonde que ça. Oui, il y a une grosse zone où t'as justement, ouais, comme Tutur a dit, une partie skatepark, mais c'est pas du tout l'intégralité du. D'ailleurs, je pense que si cette map venait en. Film, comment on appelle ça déjà? En pro, et bah ça ferait. En gros, ça ferait que la map a. Enfin, la zone à garder, c'est celle avec le vent. Ouais, je pense que. Ah, merde, on m'appelle. Ah, on t'appelle. Alors, je vais devoir m'absenter un petit moment. Vas-y. Y'a pas de soucis, les gens, en fait, on tourne le matin, c'est complètement différent par rapport à d'habitude. Donc, c'est compliqué, hein. Justement. On a un emploi du temps un peu plus serré là ces derniers temps. Par contre, sur Tumumble, il n'y avait pas moyen de retirer le micro. Ouais, je sais pas s'il y a moyen de muter Tutur, les gars. Ouais. Ça va être assez compliqué. Du coup, on va parler par-dessus comme des fumiers. On veut se débarrasser de lui. C'est ça. On va parler par-dessus comme des fumiers. Mais vous. Attends deux secondes. Je vais c'était toi là, non? Non, moi je suis avec toi, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Je suis avec toi. Et Tutur, il est dans quelle équipe?
Il est en face. Attention, punaise, on entend tout, c'est compliqué de gérer. C'est assez compliqué de se concentrer. Donc, voilà. Vous êtes dans la vie de culture, là, vous entendez sa famille, c'est... Est-ce que c'est possible de le muter? Déjà, alors, on entendait Diego Chirac. Ah là, c'est bon, je l'entends plus. De mon côté, je ne l'entends plus de mon côté, donc c'est bon. Mais quand il va revenir, on l'entendra plus. Ah oui, bah toi tu l'entends, mais comment moi je l'entends. Comment c'est vrai qu'il est revenu? Toi tu l'entends, toi, non? Non, moi je... Non. Tu l'entends plus? Non. Ah oh, merde. Ah si, bah non. Non, non, je me connais. C'est pas grave. Après, bon, on verra quand il sera de retour. Quand on le verra Oh, sérieux? Mais sauf qu'on est vachement désavantagé. Il est dans notre équipe, donc non? Non, non, il était contre nous, t'inquiète pas. Alors, il est contre nous, et malgré tout, on n'arrive pas à gagner. Ouais, mais les mecs en face, c'est des coréens, les gars. Ah, il y en a un qui s'est déco. Non. Non, il y a personne qui s'est déco, c'est dans notre équipe. Attention. Oh là, c'est pété. Bon, en même temps, on a gagné, bon. on a gagné. On a gagné. Alors, je vais essayer de voir si on peut remettre tutur. Attention, ne plus l'écouter. Allô, tutur. Ah, si, on a gagné, mais attends. Tutur. Tutur. Il n'est pas encore revenu. Je pense qu'il a réussi à se muter. Ah, mais est-ce qu'il sait comment se démute? On verra. Au pif. On verra. De toute façon, les gens aujourd'hui. Avec la tenue d'écolier là. Ah oui. La tenue d'écolier de Linkling Boy ou Linkling Girl? Non, de Linkling Girl, elle est stylée en fait, j'aime bien la broche, enfin la broche qu'ils mettent dans les cheveux, mais si on la voit pas trop. Et tu allais dire. Si tu reviens. Ah, Tutur est de le retour. Ouais. Bref. Je dis... ouais. Ah, Tutur est de retour. Tu allais dire. J'allais dire un truc. Oui, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. En effet, d'habitude, on fait des vidéos d'environ 25 à 26 minutes, et aujourd'hui, elle ne durera que 20 minutes, 21 minutes maximum. Les horaires obligent les gens à. Hein, ça dépend, on est où là? On est à 15 minutes. Ouais. On remercie le lycée. On est à 15 minutes. Bah on n'arrivera jamais à faire 21. Ah bah si, c'est ça, c'est ce match, c'est encore un autre quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? C'est... Hop, oh, oh, t'es arrivé vers moi à... Très rapidement. Oui, très rapidement quoi. Je t'avoue que le swag est... Je suis arrivé vers toi très rapidement. Donc tutur, on a entendu le non, non, justement. Alors, on remercie le lycée qui m'envoie juste un courrier recommandé pour me dire que j'ai un CCF vendredi prochain. D'accord. Génial. Et bien, bonne chance. On prouve à quel point mes profs sont DFDP parce que le mec, il fout bien ça le dernier jour. Ouais, pour que tu viennes bien juste au dernier jour. Pour que je vienne bien juste au dernier jour et ça dure une demi-heure. Donc, tu vas venir au dernier jour pour une demi-heure, quoi. Non, je vais venir une semaine pour une demi-heure. Ah. Oui, t'es à l'internat. Ah, dur. D'accord. Et puis, bah, comme j'ai toute la semaine, je suis évidemment obligé de venir. Ah, moi, je voudrais pas dire, mais en fait, toute mon équipe est un facteur perdant, sauf moi, bien sûr. mais bien sûr, attends. Mais franchement, les gens, là, il y a eu du débat, hein, quand même. Ça a pas été une domination unilatérale toutes les games. Mais c'est cool. Alors, ça j'ai change. Une petite question. Par contre, Carmen, je t'arrête. Ah, c'est quoi la petite question? Mais en fait, c'est pas vraiment une petite question, c'est peut-être une remarque, en fait. Ouais. Alors, est-ce que vous avez tous les deux le jeu avec la musique? Non, quand, là, non. Vous attendez. Avec quoi? Le calama. Ah, vous oui, savez, c'est... le jeu qu'on débloque avec le Link. Oui. Et oui. Bah, les tracks 20, 21, 22. Ne sont pas débloqués. Ne sont pas débloqués. Bah, c'est peut-être le dernier mode, ça, non? Soit c'est le dernier. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de musique par terrain en fait. Il y a des musiques par mode. Donc, à mon avis, oui, c'est les deux musiques de mode. C'est vrai parce qu'il y a deux musiques par mode en fait. Mais c'est vrai que je me suis posé aussi la question. Il y en a trois. Non. Le mode de Bazooka. Donc, il y a certainement. Il n'y a pas trois musiques par mode. Là, j'en ai trois. Donc, ah c'est non, certainement c'est... la musique du terrain, plus mais comment la ça, musique y a... de père. Non, mais il n'y a pas trois musiques par mode. Par mode, il n'y en a que deux musiques. Y a la musique... Bah là, il y a la 20, la 21 et la 22 que j'ai pas. Ah. Non, mais à mon avis, parce que ça va être. Parce que là, quand on joue en normal, enfin, quand on joue en normal, on a une musique pour le jeu et on a une musique quand il reste plus beaucoup de secondes. Enfin, quand il reste plus qu'une minute. Ah oui, c'est vrai. Et à mon avis, pour l'autre mode, il va y avoir. Enfin, pour le mode. Ah mince, ok. Capture de tour, il va y avoir. Ah mince, en fait, ça marche pas.
Parce que sinon il faudrait qu'il en manque 3 des musiques, enfin 4 des musiques. Bah ouais. Parce que moi ce que je vois, ce que je verrais bien, c'est qu'il y ait une musique pour le mode capture de tour. Alors il y aura peut-être une musique juste pour le mode capture de tour, pour l'entièreté du musique. Et dans l'autre mode, donc le mode carpe, il y aura une musique pour quand on est normal, et une musique quand l'un des joueurs a la carpe entre les mains. Finalement, c'est ce qu'ils font dans Nintendo, comme dans Mario Kart par exemple, quand t'es premier, t'as une musique différente. Ouais, enfin, t'as une batterie. Bah c'est possible parce que en plus il y a même une accélération, t'as même une accélération de la musique au dernier tour. Donc il est même très bien possible que pour un mode il y ait encore 3 musiques. Oui, logique. Oui, oui. Alors par contre il y en a vraiment une idée, c'est au sujet du nouveau mode, donc on retourne sur la question du jour il y a 10 minutes à peu près. C'est pas grave. Je me suis dit pourquoi pas un mode de dessin. Où tu dessines. De dessin. Oui, en gros t'es. Bah je sais pas. T'as ton arme et puis du coup tu dois faire un truc sur un truc blanc que tu dois faire deviner aux autres. En fait, c'est un mode Pictionary. Bah, je pense que ce sera assez compliqué à mettre en place. Mais c'est le but en fait. T'as du temps parce que évidemment tout le monde marche pas très. Mais comment essaye de. Non, alors, à la limite, c'est pas ça très intéressant. Imaginons t'es avec tes potes. N'importe quoi. Ouais, parce que ça va pas être accueilli, ça va être chiant. En gros, t'as le choix entre plusieurs mots sur ton écran, tu en choisis un. Et puis les autres sont censés deviner, ils ont plusieurs propositions. Ouais, ça pourrait être sympa, mais ça serait super compliqué à mettre en place finalement. Pour pas grand chose. Mais en fait, je m'en rappelle, mais ils en ont déjà fait un en fait dans le jeu Wario, Game & Wario. Et en fait, ça marchait. Donc déjà, tu pouvais jouer que en local. Hein. Et en gros, sur le gamepad, quand t'avais le gamepad, il te disait un truc. Genre par exemple, il te disait éléphant. Et toi, tu le disais pas aux autres. Et donc tu devais dessiner un éléphant. Et ensuite les autres, eh ben, ils étaient oulala mince. Donc les autres, quand tu leur montrais à la fin du temps, ils devaient deviner ce que c'était. Donc ils avaient une minute. Et s'ils te disaient ce que c'était, eh ben, tu validais. Et si tu validais, en gros, tu gagnais un point, toi, parce que ton dessin avait été reconnu, tu vois. Non, et après tu passais le gamepad à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est cool, mais déjà ça se joue qu'en local, et en plus de ça, franchement, développer un mode spécial pour ça, tu prends une feuille de papier, tu fais la même chose. Hein. C'est ça. Une feuille de papier et un chrono. Donc, alors que Splatoon, tu peux faire ça en vrai, quoi. Enfin, on va pas se retrouver à 8 sur un terrain de paintball comme ça avec du vide, parce qu'on se retrouve en calamar, c'est pas possible. mais Pictionary, tu peux, quoi. Par contre, je suis dans un endroit ultra disputé, sa mère. Et merde. Vous êtes sur quelle map là ? On est sur la mine ou mine marine Ouais, sur la mine. Oula ! Une mine ! Par contre, c'est assez. Non, vraiment il y en a deux galère. Qui arrivent ! Oh là 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 là. Qu'est-ce qui est vraiment galère ? Bah, de bien jouer en fait. Eh, mais on est en train de vous défoncer ! Bah oui, c'est ce que je dis en fait. On est en train de vous défoncer, j'avais pas remarqué. Mais j'avais carrément pas remarqué. Enfin, quoi que là, vous remontez bien. Il y a quelqu'un qui a fait une descente de dingue. C'est moi là, je suis descendu, je suis arrivé à fond. Comme une fusée, mon gars. Par contre, j'ai oublié comment on jouait bien au sniper. J'ai oublié. J'ai oublié comment on jouait. Parce qu'il y a deux. La question c'est est-ce que tu as oublié ou est-ce que tu as déjà su super bien joué. Oh, il y a Trash Talk là. Non, mais je te troll, Claire. Bon, je te troll. Oui, bah, moi, ça ne fait pas plaisir. Non, mais en fait, Claire, bon, je pense que c'est. En fait, c'est une question d'utilisation des autres. Ouais, parce que c'est plus en fonction du niveau des autres que tu seras bon au sniper. En fait, j'ai remarqué que quand j'ai commencé à utiliser la Air Gun, il y avait presque personne. Mais là, t'as tout le monde. Du coup, tout le monde sait comment gérer contre. Et du coup, ouais, moi, je sais toujours pas. Je me fais défoncer par la Air Gun tout le temps. Ah bah. Parce que tu joues pas assez souvent, ça. Mais là, c'est le dernier match d'ailleurs qu'on fait, non ? Ouais, puis c'est le dernier vidéo. Du coup, Tyr pourra poster la vidéo finalement. T'inquiète, il a réussi à faire le match. Eh oui. Mais oui. Et donc, Tyr, oui, on se voit. Enfin, toi, tu. Oh mince. C'est pas grave, tu nous rejoindras pour le prochain épisode. Il y a intérêt. Si oui, ça se trouve, il va y avoir des Japonais juste tout le long pour pas qu'ils viennent, tu vois. Bon. Par contre, vous nous avez défoncé. Eh bien, qui a gagné ? J'ai fait ce que je pouvais. Vous êtes bien remonté. Hein. J'ai fait vraiment par ce que je pouvais. Par rapport à un moment, vous êtes quand même bien remonté. Hein. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, les gens, mais c'était voilà, vraiment. Et voilà, 57-35. Bien joué, Carmen. Et voilà. On va terminer donc sur Rat Factor Perdant. Ah, quoi ? Regarde le nombre de points que j'ai fait. En plus, on avait un mec qui est parti. Ouais, on était à 3 contre 4. L'apocalypse arrive. Rat est le facteur perdant.
Bon, eh bien, salutations à tout le monde. Merci à Tutur aussi et à Raph de s'être levé si tôt, parce qu'il est quand même 3h du matin. On vient de se lever après une heure de sommeil pour vous faire cette vidéo. Bah, en vrai, il est 11h, mais... Je sais, qu'est-ce qu'il raconte, c'est vrai. Moi, j'ai eu 5 heures de sommeil. Ouais, voilà. Bon, eh bien, merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. Hein. Salut. Salut. Bye.